Les forêts humides, somptueuses, mystérieuses, énigmatiques. Bulle témoin d'un âge d'or depuis longtemps révolu, qui renferme l'héritage génétique de millions d'années d'évolution. Elles abritent la moitié des espèces vivant sur Terre, et pourtant, une bonne part des organismes complexes qui peuplent les forêts humides restent à découvrir. Mais encore plus stupéfiantes sont les forces à l'œuvre dans ces forêts tropicales, si puissantes qu'elles ont des répercussions dans le monde entier. Au cours des 100 millions d'années qui viennent de s'écouler, les forêts tropicales ont joué un rôle essentiel en créant le climat idéal pour l'évolution de la vie. Non seulement ces forêts sauvegardent la richesse génétique de notre passé, mais nous savons désormais qu'elles jouent un rôle primordial dans l'avenir de notre planète. Les forêts humides sont disséminées un peu partout dans le monde, jusqu'ici en Australie, l'un des continents les plus secs. Sur la côte est, un système complexe de forêts ombrophiles couvre les pentes du mont Warning, d'arbres réchappés de l'ère d'émeraude. Quand les continents ne formaient qu'un seul bloc et que la forêt recouvrait la quasi-totalité de la Terre. Tandis que la majeure partie de l'Australie s'asséchait, sur cet ancien volcan, le climat est demeuré plus ou moins stable, miraculeusement arrosé par les pluies. C'est le seul endroit au monde où l'on puisse rencontrer l'oiseau lyre d'Albert. Un descendant direct des premiers oiseaux qui peuplaient autrefois le continent unique, le Gondwana. Dans la fraîcheur de l'hiver, l'oiseau lyre exécute une danse étrange et très élaborée pour séduire sa partenaire. Cet imitateur de génie est capable de reproduire le chant de n'importe quel oiseau. Il peut faire le doux kookaburra, le perroquet, le psophode à tête noire, comme le méchant jardinier satiné. Il se lancera même dans la gigue joyeuse du jardinier. Ou pourquoi pas dans le crépitement d'un feu de brousse. Ces appels, caractéristiques d'un clan, se transmettent de génération en génération. Celui-ci, qui semble tout droit sorti d'une cérémonie rituelle aborigène, s'accompagne d'une chorégraphie précise rythmant le tempo. Mais attendez le final. La star se place face à la caméra, prête à saluer, et dit « Je jurerais l'avoir entendu. » Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une blague? Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Qui dit que nous ne pouvons pas parler avec les animaux?
Les marsupiaux à sang chaud ont profité du recul de la forêt pour étendre leur domination sur ce continent. Les oiseaux savent que leur nid forme des cibles de choix pour les prédateurs. Ils sont souvent bruyants et ils sentent fort. Au sol, cette nichée de brèves criardes est particulièrement vulnérable. Leurs parents nourrissent leurs petits frénétiquement dans une course contre la montre, afin qu'ils puissent au plus vite atteindre leur indépendance et quitter le nid. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs petits soient en sécurité. Ils évacuent les déjections des oisillons dans des sacs fécaux hermétiquement fermés pour éviter que l'odeur n'attire l'attention sur le nid. Rien n'y fait.
les chances de survie sont minces. 4 oisillons sur 5 n'atteindront jamais l'âge adulte. Les oiseliers restent généralement près du sol. Ils ne sont pas très à l'aise en vol. Mais l'expérience a échaudé cette femelle qui a bâti son nid en hauteur, dans la canopée. Elle rapporte sa récolte de vers et d'insectes pour nourrir sa progéniture. La population d'oiseliers d'Albert est très réduite. Alors pour la survie de l'espèce, chaque oisillon est précieux. Elle a fait ce voyage des centaines et des centaines de fois. Et elle monte et remonte vers son appartement suspendu dans les airs. Et ce, jusqu'à ce que son petit ait des ailes pour voler et le courage de sauter. Ces cacatoès à huppe jaune sont des nouveaux venus dans la forêt. Ils fuient la sécheresse qui sévit à l'intérieur des terres. À la saison chaude, des systèmes dépressionnaires descendent des tropiques et déversent des pluies torrentielles. C'est dans les gouttes d'eau que nous découvrons pourquoi les forêts humides sont à la base de la vie sur notre planète. Nous savons depuis longtemps que les forêts tropicales agissent comme des faiseuses de pluie, sans savoir exactement ni pourquoi, ni comment. Pour qu'une goutte de pluie apparaisse, l'eau a besoin d'un noyau autour duquel elle peut prendre forme. Ce peut être une poussière de l'atmosphère ou une particule de soufre de l'océan. Mais une avancée scientifique a révélé que des gouttes de pluie peuvent se former autour d'un noyau de bactéries. Et que ces fameuses bactéries sont produites massivement par les forêts humides. Les plantes à grandes feuilles de ces forêts libèrent des milliards de tonnes de ces bactéries dans l'atmosphère. Ces microbes transportés par l'air ensemencent littéralement les nuages. Et c'est ce processus d'ensemencement des nuages qui engendre une bonne part des pluies qui arrosent la Terre. Mais les forêts humides ne se contentent pas de nous fournir la pluie. L'énorme masse de vapeur transpirant de leurs myriades de feuilles crée un vaste rideau de nuages qui nous protège de son ombre et rafraîchit certaines des zones parmi les plus chaudes de la planète. Cette couverture nuageuse réfléchit aussi une part de la chaleur du soleil et la renvoie dans l'espace. Sans elle, la vie sur Terre ne serait pas tenable. Les forêts humides travaillent de concert avec les courants océaniques et aériens. Ensemble, ils forment un vaste système global d'air conditionné. C'est le moyen que la nature a trouvé pour réguler les climats sur Terre. La pluie a sculpté la plupart des paysages terrestres. Des millions d'années de précipitations ont érodé cet ancien volcan, le grignotant sur la moitié de sa hauteur, creusant des centaines de torrents et de chutes d'eau. Ici, l'eau est partout. C'est la respiration vaporeuse de la forêt tropicale qui inhale l'oxyde de carbone et exhale de l'oxygène. Les arbres à fruits ont toujours besoin d'un moyen pour disséminer leurs graines. Les marsupiaux nocturnes, comme ce minuscule opossum pygmée, peuvent faire l'affaire. Mais c'est avec l'aide de créatures ailées que l'on peut réellement disperser loin ces graines. Tels ces carpophages à double huppe.
Ainsi, les oiseaux prospèrent et les graines sont largement disséminées. La phasianelle brune se nourrit des baies de l'Omalontus populifolius et ses petits lobes magnifiques picorent les figues sauvages. C'est grâce à tout cela que le cycle peut se perpétuer. Les oiseaux dispersent les graines et un nouvel arbre va grandir, qui va ensuite ensemencer les nuages, qui vont fabriquer la pluie, qui elle-même va rafraîchir le climat, ce qui fait que la vie continue. Ce treillis est l'œuvre du système de racines aériennes d'un figuier étrangleur. Pour disséminer ses graines, il dépend des oiseaux, mais d'une manière très particulière. Il n'a pas besoin que l'on jette ses graines dans le sol de la forêt, mais plutôt en l'air, dans les branches de l'arbre, appelé à devenir l'hôte de sa progéniture. Les graines germent là-haut, à la lumière, avant d'envoyer vers le sol de longues racines aériennes. Ces racines vont finir par grossir et se fondre les unes dans les autres, formant de solides troncs qui étouffent leur hôte. L'arbre meurt étranglé et pourrit sur pied, laissant son vainqueur désormais creux, pousser à sa place et lui survivre durant des siècles. C'est le printemps, et pour le Talégal de la Tam, il est temps de rassembler des feuilles mortes pour bâtir une vraie petite montagne. D'une façon ou d'une autre, ces dindons ont compris qu'en se décomposant, les feuilles mortes produisent la chaleur idéale pour couver leurs œufs. Qu'une femelle s'aventure dans son petit coin de forêt, et le voilà dans tous ses états. Il se met à creuser à toute vitesse un nid pour la séduire. Il va même jusqu'à sonder la température avec son bec. Parfait. Ensuite, la femelle frétille de la queue pour lui signaler qu'elle est prête à s'accoupler. Ce qu'ils font sans plus de cérémonie. Plus le monticule est impressionnant, plus ce Roméo à plumes attirera de femelles. Et de leur côté, celles-ci ne se montrent pas plus exigeantes. Elles vont visiter plusieurs nids tour à tour, et c'est ainsi que chaque monticule peut contenir plusieurs dizaines d'œufs. Les dindons des broussailles ont une nombreuse progéniture, et il le faut. Leurs œufs sont brisés par une foule d'amateurs, tel ce goanna affamé. Ou ce python, mais aussi puissant et menaçant qu'il puisse être. Il a peut-être trouvé son maître. Le dindon n'a pas droit à l'erreur. Il doit rester à distance respectueuse du serpent, mais être suffisamment prêt pour l'assaisonner copieusement. D'efforts. Et pourtant, à peine les oisillons sont-ils sortis de l'œuf sain et sauf, que leurs parents s'en désintéressent totalement. Ces petites boules duveteuses vont devoir se débrouiller seules. Beaucoup n'y parviendront pas, mais il en restera suffisamment.
Le sol de la forêt accueille aussi l'oiseau jardinier, le donjon de la forêt ombrophile. Ce splendide jardinier prince régent ne vit que dans les forêts d'altitude. Le jardinier satiné, tout aussi somptueux, est plus largement répandu. Les mâles jardiniers cherchent à s'accoupler avec le plus de femelles possible. Ce jardinier prince régent parfume avec amour sa tonnelle avec des plantes aromatiques, afin de la rendre plus attrayante pour l'autre sexe. Puis il décore le sol en le tapissant de ses plus précieux trésors. Lorsqu'une femelle se présente à sa porte, il exécute pour elle une parade nuptiale frénétique. Il lui lance une œillade et lui offre des présents glanés dans la forêt. Après un tel numéro, comment résister? Et puis, il n'est pas du genre à jouer l'amoureux transi trop longtemps. Ce jardinier satiné est si méticuleux qu'il en devient maniaque. Il est obsédé par l'idée de peaufiner et de parfaire son chef-d'œuvre. Sa tonnelle n'est pas un nid. Ce serait plutôt une garçonnière destinée à charmer ses conquêtes. Le problème, pour ce perfectionniste satiné, c'est que parfois, lorsqu'il quitte son pied-à-terre pour chercher de quoi casser une graine ou décorer son intérieur, une femelle vient à passer. Il a raté sa chance. Donc, c'est reparti pour une parade et un chant nuptial. Les jardiniers satinés adorent le bleu. Tout ce qu'ils peuvent ramasser de bleu a droit à une place de choix sous la tonnelle. Mais ces manières ostentatoires ont le don d'en énerver certains. Un autre mâle attend dans la coulisse. À la première occasion, il entreprend de saccager la tonnelle de son rival. Il n'est pas tranquille. À tout moment, le fier propriétaire des lieux peut le prendre sur le fait. Et s'il se fait surprendre, il risque de gros ennuis. Notre maniaque satiné est sur le chemin du retour. Dommage pour l'intrus. Ses splendides plumes bleues auraient fait sensation sous sa tonnelle. Néanmoins, pour bien marquer l'affront, le vandale emporte quelques brindilles pour sa propre tonnelle. Sa garçonnière en ruine, notre ami sait qu'il n'a plus aucune chance pour aujourd'hui. Il ne lui reste plus qu'à rebâtir son œuvre. Le jardinier est un véritable donjon. Il refuse catégoriquement de prendre la moindre part dans l'éducation de ses petits. Tâche qui incombe à la femelle. À elle, la vie de mère célibataire avec une nichée de becs affamés à nourrir. Lui, il est bien trop occupé avec sa garçonnière pour l'aider à élever sa famille. Parmi ces milliers de nuances de vert, le rouge est la couleur qui ressort entre toutes dans cette forêt d'altitude. Thank you.
Mais le rouge n'est pas la seule couleur vive ici. Les forêts humides sont des refuges pour certaines plantes à fleurs parmi les plus anciennes du monde qui ont survécu et sont restées quasiment inchangées depuis plus de 100 millions d'années. Bien avant que l'Australie ne se libère de l'Antarctique. Les plages de l'Antarctique sont les véritables reliques d'un âge perdu où régnait un climat totalement différent. Leurs ancêtres fossiles ont été découverts pris dans la roche, sous la calotte glaciaire antarctique. Ces fleurs ont été emportées si loin du climat frais dont elles sont originaires, qu'elles sont aujourd'hui incapables de produire des graines, et elles ne survivent qu'en réutilisant encore et toujours leurs bonnes vieilles racines. Les forêts tropicales sont riches d'une extraordinaire biodiversité. Biodiversité primordiale pour la santé de notre planète. De tous les organismes vivants sur Terre, hormis les bactéries, ce sont les insectes qui ont rencontré le plus de succès. Il y a 3 fois plus d'espèces d'insectes que de toutes les autres espèces réunies. Et on ne cesse d'en découvrir de nouvelles. La physiologie de l'insecte est la mieux adaptée à la vie sur Terre. Et ils ont exploité à peu près toutes les niches écologiques disponibles. Sans eux, les forêts humides n'existeraient pas. Mais il arrive que les conditions favorisent de façon inattendue certaines espèces et que leur population explose. Tout comme ces pierrites du Caprier, ainsi nommées parce qu'elles passent leur cycle de vie tout entier sur cette plante. C'est dessus qu'elles se reproduisent. Et quand leur chenille éclose, elles dévorent avidement les feuilles du caprier. Ensuite, elles se fixent sur une branche et entament leur merveilleuse métamorphose. Enchâssé dans sa chrysalide, le corps de la chenille se dissout dans une soupe avant de se reconstituer miraculeusement en papillon. Et après tout cela, le caprier dévasté se débrouille pour repousser. Les insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes. Les fleurs leur signalent, avec leurs couleurs et leurs parfums, que le nectar est servi. Et l'unique fonction du nectar est d'attirer les pollinisateurs. Donc, les plantes ont besoin des insectes. Mais les insectes ont eux aussi besoin des plantes. Toutes les espèces de plantes connues sont mangées par des insectes. Et les insectes servent de festin à des centaines de bouches affamées. Cette colonie de chauves-souris quitte sa grotte chaque nuit pour chasser les insectes volants. Les chauves-souris naviguent à travers l'entrelac des branches et des lianes dans le noir total, en repérant leur proie par écholocalisation, grâce à leur ouïe extrêmement sophistiquée. À la tombée de la nuit, des milliers de renards volants commencent à s'agiter, prêts à décoller pour leur raid nocturne à la recherche de fruits et de nectar. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que la forêt humide dort pour autant. Les plantes entament leur cycle nocturne et continuent à produire de l'énergie en brûlant les sucres qu'elles ont synthétisés grâce à la lumière du jour. La nourriture est si abondante dans la forêt vierge qu'elle assure également la subsistance de toute une communauté de noctambules.
Tout comme les opossums, il existe toute une batterie de timides marsupiaux aux noms plus délicieux les uns que les autres, tels que Antechinus, Macropus, Phascogale. Le possum pygmé se nourrit de nectar et joue un rôle actif dans la pollinisation des fleurs. Les rainettes arboricoles aux yeux rouges dépensent une énergie fabuleuse à essayer d'attirer une partenaire. Et pourtant, l'affaire est risquée, car elle n'attire pas seulement les tenants de l'autre sexe. Les chasseurs nocturnes, comme ce serpent à écailles rugueuses du sud au venin redoutable, savent que durant cette période de l'été, les grenouilles viennent toujours dans cet étang pour s'y accoupler. Les hiboux peuvent voir dans un noir d'encre et localisent leur proie grâce à leur ouïe très fine. Le python chasse lui aussi la nuit. Mais il n'entend pas, donc il se sert de ses fossettes thermosensibles sur les mandibules pour localiser ses proies sans chaud dans la nuit. Le chat marsupial est un féroce prédateur. C'est le plus agile des marsupiaux carnivores. Mais au cours des 10 dernières années, il a bien failli disparaître de cette forêt. Des changements que nous ne comprenons pas toujours sont en train de s'opérer, avec des conséquences inquiétantes. Des espèces entières disparaissent. L'écrevisse bleue de Lamington se range au rang des espèces menacées. Encore une créature venue du fond des âges qui, pour survivre, n'a trouvé que les cours d'eau de cette forêt. Pour prospérer, elle a besoin d'une litière de feuilles pour se nourrir et d'un habitat stable, frais et humide. Dans les forêts ombrophiles, la température est plus fraîche de 10 degrés que dans les terres dégagées qui l'environnent. Quand le climat était plus humide, les forêts tropicales humides étaient à même de s'étendre, mais plus maintenant. Les forêts d'Australie se dessèchent peu à peu. Mais le climat n'est pas le seul responsable du recul des forêts humides. L'extension des implantations humaines a été le facteur le plus déterminant de la déforestation. Ce qui s'est passé ici illustre parfaitement l'histoire de toutes les forêts primaires du monde. Les premiers peuples indigènes ont vécu dans et de la forêt tropicale durant des milliers d'années. Ils chassaient des petits animaux et récoltaient des plantes comestibles. Cependant, ils utilisaient le feu, fort heureusement avec peu d'incidence sur la forêt. Mais les premiers Européens sont arrivés au milieu du 19e siècle. Ils ont baptisé la région The
Mais quand les forêts humides sont trop sèches, elles aussi peuvent brûler et les eucalyptus gagnent peu à peu du terrain. L'inexorable avancée des eucalyptus fait bruisser l'Australie depuis des millions d'années. Ils fournissent la pluie et régulent le climat en le maintenant frais. Ils assurent l'alimentation en eau des rivières, des fermes et des grandes villes. Cependant, en Australie, nous continuons à abattre et à brûler les forêts humides à un rythme effrayant de plus de 100 000 terrains de football par jour. En ce faisant, nous tirons littéralement la chasse d'eau sur le système qui préside à notre vie. Notre monde se réchauffe trop vite. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques millions d'années, ce sont des volcans qui ont brusquement fait monter la température de la planète en produisant une énorme quantité de gaz à effet de serre. Simplement, cette fois-là, l'immense étendue des forêts pluviales et des océans a permis de rétablir l'équilibre. Aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas cette chance. Il ne reste plus que 20% des forêts humides tropicales mondiales. Nous avons peut-être déjà fait basculer cet équilibre. La destruction délibérée de la forêt par l'homme pourrait signer notre chute. Il suffirait que notre climat change trop vite pour que des centaines, des milliers d'espèces sauvages disparaissent. Les forêts tropicales ensemencent les pluies et produisent les nuages. Elles arrosent, abritent et rafraîchissent notre planète. Sans ce système d'air conditionné naturel, la vie ne peut pas s'épanouir. Le simple fait de réduire les gaz à effet de serre est crucial pour notre survie. Mais ça ne suffit pas. Pour que nous conservions une chance, la destruction de ces forêts d'émeraude qui font partie intégrante de la vie doit ralentir et cesser. Replanter les forêts tropicales humides va devenir un enjeu vital. L'oiselière d'Albert reproduit le chant de ses ancêtres depuis des millions d'années, ici, à l'abri dans le plus protégé de tous les sanctuaires, sur les pentes d'un ancien volcan. Et comme nous, il n'a nulle part d'autre où aller. Qu'est-ce que moi je dis de ça? Ça dépend de nous maintenant. Le destin de cet oiseau lyre, de la forêt tropicale et le nôtre est désormais entre nos mains. Il y a un peu plus de 150 ans, un sage a dit « La préservation du monde réside dans la nature. » Peut-être est-il temps de tenir compte de ces paroles et de nous sauver, nous et notre belle, notre merveilleuse planète. »